Moins fort, la télé. Oh, entre. Ça va? Ouais, tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est du pain d'épices, je savais pas quoi amener. Tu peux venir les mains vite, tu sais. J'arrive. Salut les monstres. Ça va? Ah, répondez pas tous en même temps. Allez hop, les enfants, au lit là. Ah, mais t'es mal, on va pas se coucher maintenant. Tu commences pas à discuter, toi. Tu veux boire quelque chose? Oui. Je vais coucher les enfants. J'en ai pour 2 minutes. Manifestation sportive. Qu'est-ce que t'aimerais me faire? Qu'est-ce que t'aimerais vraiment me faire? Quoi? Allez, viens, on continue. Fais-moi encore quelque chose. Mais quoi? On vient de tout faire, là. Mais il y a des tas de choses, des tas. Tu sais bien. Tu vas pas m'obliger à te le dire. Mais qu'est-ce qui te prend? De quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu me ferais si j'étais Louise Sandoli? Qui t'a raconté ça? Qu'est-ce que tu me ferais? Dis-moi. Mais vous allez me faire chier longtemps avec cette histoire, là. Allez, vas-y. Mais t'es malade, je connais pas Louise Sandoli. Et puis t'es ridicule de t'exciter comme ça, là. Si tu veux faire des exploits, c'est pas avec moi. Vas-y, ça va? Va-t'en. Quoi? Va-t'en. Ouvre cette porte. J'ai jamais été marié avec Louis Sandoli. J'étais marié avec une fille qui s'appelait Estelle Henlic. Et j'imagine qu'on faisait l'amour comme tout le monde. On était jeunes, on n'y connaissait pas grand-chose. En tout cas, on n'était pas des as du sexe. Tu sais, en plus, il y a un truc qui cloche dans cette histoire. J'ai bien regardé les photos. Et en fait, Louis Sandoli et Estelle se ressemblent pas du tout. C'est pas la même personne. Je me suis même demandé, en fait, si cette actrice, elle n'aurait pas pris l'identité et la vie d'Estelle, des fois qu'elle a quelque chose à cacher. Tu vois? Je crois que c'est possible. Bon, faut que je rentre à la maison. J'y vais.